Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve. Alors, je filme aujourd'hui, nous sommes dimanche, mais vous allez voir cette vidéo demain, lundi 18 septembre. C'est terrible, hein? Voilà, petite vidéo. Je participe à un projet qui est tout nouveau pour moi. Alors, dans une discipline qu'on connaît bien sur la chaîne, hein, mais un projet que j'ai jamais fait de toute mon existence de youtubeuse ou tout simplement de brodeuse, point de croix. Et donc, je participe au défi groupe, si j'ai bien compris le nom, de Vanessa et de Alex. J'ai toujours envie de dire Axel, je ne sais pas pourquoi. Alex et ses passions. Donc, à deux, elles ont mis en place un projet qui va s'étaler sur environ 2 ans. Et c'est un projet, un beau bébé, point de croix. Et donc, toutes celles et ceux qui participent ou qui veulent participer à l'avenir ont la possibilité de prendre une toile point de croix estampée ou non estampée, pourvu qu'elle soit en point, enfin, qu'elle soit pleine au niveau de la toile. Minimum, si je ne me trompe pas, c'est pour ça que je vais vous mettre le lien des deux copines, des deux chaînes, pour que vous puissiez avoir vraiment les renseignements des filles et de leur bébé à toutes les deux. Donc 50 par 40 minimum au niveau de la taille. Les infos que je peux encore vous donner, c'est que c'est une toile qu'il va falloir scinder en 50 cases. Donc, c'est-à-dire que sur une toile, on a des carrés de 10 par 10. Et pour faire 50 carrés, il faudra mettre dans ces cases plusieurs carrés de 10 par 10 pour la cloisonner en 50 parties. Voilà. Donc, au départ, j'étais pas très partante de faire ce style de projet. J'ai toujours peur de me mettre de la pression parce que je suis en retard. C'est involontaire, hein, chez moi d'être comme ça parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires des personnes. C'est vrai qu'elles ont des fois un peu de mal à comprendre pourquoi se mettre de la pression. Ça doit rester du loisir créatif. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que je veux pas me mettre de pression. Mais c'est que j'ai des comptes à rendre quelque part. Par exemple, le duo avec Vanessa, j'aime pas être en retard vis-à-vis de Vanessa parce que je me dis cette fille, elle se donne la peine et moi, je suis à la ramasse à côté et c'est pas cool pour elle, c'est pas sympa. Donc, c'est pour ça, c'est juste pour ça. Voilà. Donc, que vous dire que c'est un super projet. Donc, il y a, comme elle dit, zéro pression. On va faire des avancées tous les 15 jours. Là, aujourd'hui, le jour où je vous parle, Vanessa a tourné ce matin sa première vidéo en tirant un numéro au sort. Donc, j'étais pressée cette nuit, j'arrêtais pas d'y penser comme une enfant excitée du lendemain matin d'aller voir son cadeau de Noël sur Internet, YouTube, savoir quelle case allait sortir. Mais surtout, oui, aller voir les deux copines, aller voir les vidéos de chacune. Alors, je ne sais pas si Alex va sortir aussi une vidéo, je ne pense pas. Je pense que c'est chacune son tour tous les 15 jours. Moi, je vais faire des vidéos blabla hein, de mes avancées, je pense régulièrement. Je dis je pense parce que je n'ai pas encore pensé la chose. Zéro pression, d'accord. C'est avec un immense plaisir que voilà, je vous parle de ce projet dont je participe finalement parce que je suis en partenariat avec la compagnie Outdoor Tide. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai un petit code promo LSA 05 ou 5 off. Ça sera noté en barre d'infos. Si vous avez besoin d'utiliser ce code promo de 5% dans la boutique. Puis si jamais ma toile vous plaît également, c'est une nouvelle boutique, donc ils m'ont déjà parlé d'avoir des rendus finis. Alors dans 2 ans, c'est loin, hein, mais je ne sais pas s'ils ont idée du temps que ça prend la broderie, ça prend beaucoup de temps, mais d'avoir des avancées, je pense que ça va leur faire plaisir et c'est mon but. C'est pourquoi j'y ai répondu oui. Alors c'est long, hein, mon blabla, là je suis déjà à presque 5 minutes. Mais c'est pourquoi j'ai répondu oui, parce que je veux rendre des comptes à cette compagnie et c'est normal, ils me font confiance. Donc moi, je leur dois un retour.
Et voilà. Donc, avec grand plaisir, les filles, je participe avec vous. D'après ce que Vanessa a dit, il y a d'autres copines youtubeuses qui participent. Et bah, c'est cool. Et puis, il y a d'autres personnes. Donc, à ce jour, nous sommes 19. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à contacter, bah, si vous connaissez plus l'une que l'autre, enfin voilà, Vanessa ou Alex, j'allais dire encore une fois Axel, décidément, elle doit rigoler si elle voit ma vidéo, bah, pour dire que vous voulez, vous désirez faire partie de l'aventure. D'ailleurs, j'insiste vraiment, venez nous rejoindre, ça va être super cool, on va échanger, on va bien rigoler, on aura peut-être des toiles différentes, mais peut-être aussi des toiles communes, et c'est aussi un bon moyen pour celles et ceux qui aiment bien découvrir telle ou telle toile, ce que va donner le rendu, ben c'est sympa. Donc, une case va être dévoilée tous les 15 jours, donc elles utilisent un support informatique pour faire tourner une roue. Et aujourd'hui, c'est le numéro 10. C'est l'auto, c'est le 10. Et pour ce faire, j'ai fait un tableau. Alors, je vais vous parler de ceci aussi. J'ai acheté ceci sur Temu. J'ai pris des formats... Alors, j'en ai pris des A4. Et ça, c'est des... si je ne me trompe pas, AB. Alors, c'est un petit peu en dessous du format... j'ai dit des bêtises, c'est pas A4, A3. Voilà, c'est en dessous du format A3, légèrement. Et franchement, c'est top. J'ai sélectionné mes couleurs. Donc, je voulais des roses. J'en ai pris des bleus. J'en ai pris jaune. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je ne sais plus. Peut-être des blanches. Et j'en ai deux ou trois très grandes, vraiment le format A3. Donc, ça, je garde pour des plus gros projets. Et vous voyez, tout rentre dedans avec une fermeture à glissière. Donc, c'est tip-top. Et ici, j'ai mes cases. Voilà. Donc, c'est encore sur un brouillon. J'ai dit, il faut vraiment que je le mette au propre sur un papier. Ben, c'est quand j'ai gratouillé. Voilà, j'ai 50 cases, moi, là-dedans. Et en fait, ben, le chiffre, il est là. Pour pas changer, elle commence en haut à gauche. C'est parfait. C'est parfait parce que je vais vous dire. Alors, peu importe si vous avez des cases qui ne sont pas toutes de la même taille, ce qui importe essentiellement, c'est d'avoir vos 50. Voilà, et j'ai voulu mettre à peu près au milieu mes 50. Vous voyez, j'ai des cases plus petites ici. Là, j'ai 3 par 3, donc j'ai 9 cases à faire pour dans 15 jours, que je sois prête pour la suite du tirage au sort qui sera fait par Alex. Donc, ce qui serait bien, j'ai mis les numéros de ma toile. Donc, j'avais 180 points comme ceci. Donc, j'ai fait 10, 20, 30, 40, 50, ouais, jusqu'à 180. Et 276, voilà, jusque-là. Je vous explique un peu, grosso modo, hein, si ça peut vous aider. Et ensuite, je suis venue voir un petit peu comment faire mes cases au crayon. J'ai gratouillé, après j'ai dit, bon, je pense que c'est bon. Et j'ai rempli. Donc, certes, j'ai des cases plus petites que d'autres, et je trouve ça bien, parce que du coup, des fois, je vais me retrouver aussi avec des grandes. 1, 2, 3, 4 sur 3. 3 fois 4, 12. Donc voilà. Et là, il y aura des cases un peu plus relaxantes, me semble-t-il. Oui, comme celle-ci. 1, 2, 3 et 2. 2 fois 3, 6. 6 cases. Donc ça, c'est cool. Voilà. Alors, on va regarder ma toile. Alors, c'est un énorme bébé. Hein, c'est un gros projet aussi. 50 par 70. Quand je l'ai déballée, je dis ah oui, quand même, je me souvenais plus qu'elle était aussi grande. Et j'ai démarré déjà avec ma première couleur. Donc, ça se passe bien. J'ai juste des petits décalages avec des cercles et tout. Et est-ce que c'est un cercle? Alors, il faudrait que je vérifie parce que des fois, il y a des symboles, je vois plus trop ce que c'est. Il me semble que c'est une croix. Donc, je vais quand même vérifier. Et je dois travailler de 0 à 30, hein, puisque je vous ai dit. C'est 3 par 3, c'est ça ici que je fais. Mon 10 est bien là, c'est le 10 qui est sorti. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'ai pas envie de mettre, alors peut-être des filles vont me dire, Isa, mets un ci, mets un ça pour délimiter, mais j'ai pas envie. J'ai envie que je m'imprègne du projet. Je me tiens la tête, vous ne me voyez pas, mais je me tiens la tête. Et ça, c'est la chose la plus compliquée, parce que j'ai jamais travaillé de cette manière. J'ai toujours étendu mon fil jusqu'à ce que je le finisse. J'ai même rempli, je faisais des petits carrés verts. J'ai même rempli des cercles verts ici, pour vous dire. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait ici et là, j'ai tout enlevé. Hein.
Je lui dis, ah, non, 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 tu respectes le projet. Non, non, tu ne peux pas faire ça. Tu enlèves. Donc, j'ai enlevé. Mais j'ai encore tendance. Je dois me dire, ah oui, Isa, n'oublie pas. 0 à 30, 0 à 30. Mais quand je vais me retrouver. Ouh là 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 là, oh my god, on verra bien si je dois délimiter ou pas. Mais surtout si vous n'avez pas l'habitude de travailler de cette manière, je ne sais pas si je suis la seule à déborder, de me dire, bah comme encore, il n'y a pas longtemps, hein, je viens de me dire, ah bah il y en a encore là. Je dis, mais non, Isa, tu travailles par zone de carré d'autant, par case. Donc on va parler de case et de carré. Voilà, ma case, elle fait 30 sur 30. 30 sur 30, pardon. Donc c'est ça ma zone de travail et je ne dois pas logiquement en déborder. Voilà, et j'ai pas du tout l'habitude et j'ai beau me dire non, tu peux pas et ça revient au galop à chaque fois. Donc il va falloir vraiment un certain temps, je pense, que je m'adapte, il n'y a rien à faire. Vanessa m'a quand même soulagée à ce niveau-là, elle m'a dit ah oh ouais, moi aussi de temps en temps ça m'arrive un peu. Voilà, donc c'est comme ça, donc j'ai déjà fait les cercles, je vous rappelle, j'ai 40 couleurs, vous aurez vu en début l'illustration, donc je suis en haut à gauche en train de faire le pot de fleurs. Quand j'ai démarré, je ne savais même pas ce que je faisais, je me suis dit, je ne me souviens plus du tout, vu que dans le, avec le patron, on n'a pas la miniature, me semble-t-il. Non, j'ai que ça, vous voyez, ouais, si, j'aurais vu que c'était un pot de fleurs, mais voilà, c'est tout petit. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, j'ai des symboles qui se ressemblent. J'ai vu que j'ai un triangle vert en haut à gauche et j'en ai un autre en haut à droite. Donc, ça, il faut être vigilant là-dessus. C'est quoi que je voulais voir ici? Ah ouais, je vais vérifier tout de suite. Ah bah si. Attendez, attendez, attendez. Alors, moi, des fois, même avec le patron, des fois, je suis perdue. Ça, c'est histoire de concentration. C'est bien un plus. Ok. Tout va bien ici, c'est que des plus. Voilà, bah c'est ok pour moi. Des petites nouvelles. Des petites nouvelles. J'ai eu un week-end très très chargé émotionnellement. Vous savez que je suis une hypocondriaque. J'ai eu mon petit rendez-vous annuel, voilà, en tant que femme. Tout va très bien. Je rentre chez moi. Je dis à Élise qui est partie donner un coup de main chez Manon. Parce que mon beau-fils travaille, il faut garder le petit, il y a le chat Manon, et il garde en ce moment le chien des parents de mon beau-fils, mais le chien des parents de mon beau-fils déteste les chats. Donc, il faut surveiller tout ce petit monde. Et donc, je dis, tiens, je dis à mon mari, j'ai envie de me changer les idées cet après-midi, je suis trop contente, tata. J'ai envie qu'on bouge et faire un petit coucou. J'ai repassé du linge à Léo. J'ai envie de le rapporter. Et puis voilà. Et donc, on y va. Et je vais faire quelques petites croix avec vous. On y va. Et puis, on y va. Non, on n'y va pas. On mange déjà. Parce que j'avais rendez-vous à midi. On mange. Et quand je dis à Élise, j'ai envie de passer tout à l'heure. Là, j'ai ma fille Manon qui m'appelle en webcam. Je dis, tiens, c'est bizarre. Le samedi au salon, elle n'a pas trop le temps. C'est étonnant. Parce que c'est en continu. Et là, je la vois dans son canapé, je dis, mais qu'est-ce que tu fais chez toi? Elle me dit, en fait, maman, moi, ça va pas trop, ça va pas du tout, j'ai dû appeler la SAMU. Je dis, pardon? Elle dit, j'ai pas voulu t'embêter ce matin, je sais comment t'étais anxieuse, j'ai fait des crises d'angoisse au matin. C'est plus fort que moi, hein, c'est terrible, c'est comme ça. Et donc, là, elle me dit, après le Covid, ma fille, c'est pas genre à prendre facilement des médicaments, j'avais prévenu, j'ai dit, tu vas voir, ça va te retomber dessus. Et puis, une toux très forte, au point d'en perdre sa respiration, des douleurs dans les reins, et la fièvre de temps en temps. Donc, la SAMU lui donne, si j'ai bien compris le truc, hein, lui donne un numéro de téléphone pour aller consulter un médecin à 1 heure de chez nous. Et donc, elle appelle mon mari qui était en train de m'attendre dans la voiture parce que mon rendez-vous médical est à une demi-heure de voiture de chez moi. Et moi, j'étais dans le cabinet et puis lui dit, écoute, je peux pas, maman, elle a son rendez-vous parce qu'en fait, c'est ma... comment dire, c'est la femme de mon cousin
Voilà, qui est ma gynéco. Et donc, bon, on a parlé d'un peu de tout aussi, hein, on ne se voit pas souvent. Donc voilà, et puis, bah, je peux pas, maman, elle est en rendez-vous, puis moi, loin de penser tout ça, quoi. Si j'avais su, je me serais dépêchée. Et donc mon mari est au courant. Il a dit, bah, je suis désolée, je peux pas. Donc elle a dû annuler, elle a dit, je peux pas, je me sens pas la force de conduire, puis même c'est dangereux, et puis il y avait personne pour la déposer. Donc je pense qu'ils lui ont invité à appeler, comment ça s'appelle, SOS médecin. Elle a eu un rendez-vous hier soir 18h45. Donc moi je suis allée, du coup elle m'a tenue au courant. Là j'étais estomaquée de ce que j'entendais. Donc on y est allé, j'ai fait une bonne soupe fraîche pour emmener là-bas. J'ai ramené du linge pour Elise se changer, parce que je ne savais pas pour combien de jours elle allait en avoir, suivant le pronostic du médecin. Et le lave-vaisselle en panne, donc papy, mon mari, a dû le réparer. Et donc, bon, je fais mes petits points, parce que sinon, je vais blabla et blabla et blabla. Et je vais avancer à quoi? À Kutch. Ah oui, il y a ça, c'est quoi ça ici? Ah oui, c'est comme ça. Je vais quand même vérifier, parce qu'il y a des points qui se ressemblent quand même. Hein. Et donc, bah, nous, on s'est occupé du petit, le chien, le chat. Ça a été compliqué, chien et chat. Hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il n'y a rien à faire. Le chien n'aime pas les chats. Hein. J'ai trop mal au cœur. Enfin, voilà. Donc, il y a Bounty qui est dans les parages. Vous voyez sur le côté. Et donc, ah ouais, la toile, elle est super dure. Alors, mes points d'arrêt, je vous dis pas, je suis en train de me trucider les doigts. Et donc, elle est allée à son rendez-vous. Bah, moi, j'étais contente parce que j'étais chez elle pour avoir des nouvelles plus rapides. Et puis, finalement, rien à signaler. À part, il dit qu'il ne trouve pas vraiment ce qu'elle a. Mais en tout cas, ce n'est pas une pneumonie parce que ça ne sifflait pas. Rien, rien à ce niveau-là. Donc, elle dit, je ne peux pas vous donner d'autres médicaments que ce que je vais vous prescrire. Donc, une crème pour les reins, pour la douleur. Ensuite, regarde Vanessa, je travaille par-dessus comme toi. Il a donné des Doliprane pour la fièvre. Et ensuite, elle a eu, qu'est-ce qu'elle a eu? Bah, un sirop pour la toux. Voilà. Donc quand même, j'ai dit à Manon à surveiller parce qu'on ne sait jamais. Si tu vois qu'au bout d'un certain temps, ta fièvre est toujours là, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. Donc voilà, je suis peut-être hypocondriaque, mais je suis pas folle non plus, quoi. Faut faire attention. Donc, du coup, on a mangé ensemble en famille. J'ai mangé, pour les connaisseurs du Nord, hein, j'ai mangé frites, sauce Biki, allons-y! Non, j'ai perdu du poids encore, donc je suis super contente. J'ai dit, je m'octroie une petite soirée détente où je ne fais pas attention. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai recommencé à faire attention. Voilà. Donc voilà, donc à suivre pour Manon, à surveiller. Je sais qu'elle a dormi toute la matinée. Doudou, qu'est-ce que tu fais? Aïe, 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 il y avait le verre d'Élise avec une paille en verre et j'ai cru qu'il se mettait la paille dans la narine. Donc voilà. Donc j'espère que tout va rentrer dans l'ordre parce que franchement, bah, ça devient fatigant, quoi. Donc voilà pour les petites. Alors je sais pas, logiquement, je voulais vous faire plusieurs petits morceaux jusqu'à demain puisque la vidéo doit partir demain. Et j'ai été pris dans l'engouement de. Parce que j'ai des abonnés qui m'ont dit ça va, tu vas bien, tu passes un bon week-end, j'espère. Et alors, il y en a une à qui j'ai plus ou moins dit week-end compliqué. Du coup, j'ai dit j'en parlerai dans une vidéo. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, je me dévoile à vous. Hein, mais ça fait du bien aussi de parler. Hein. Donc, on est comme on est, malheureusement. Hein. Ah là là, on ne changera plus. Malheureusement, mon âge, c'est fichu. Et j'ai beaucoup pris sur moi, si vous saviez. Mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et je suis trop contente de travailler par-dessus. Alors l'autre fois, je l'ai fait sur ma toile du Wake Vanessa, mes croix, elles étaient moches. Et là, j'ai l'impression qu'à force de faire, c'est comme tout, hein, à force de faire, on a un travail beaucoup plus agréable.
beaucoup plus jolie. Et c'est ce que Vanessa se dit souvent dans ses vidéos, qu'elle est contente d'elle, que ses croix sont de plus en plus belles. J'incline un chou et je crois que Doudou, il a encore vu une mouche. Donc voilà. Alors les pochettes, je ne sais plus combien j'en ai eu, pour combien j'en ai eu. Je pense une bonne dizaine d'euros parce que il me semble que, ou un peu plus, parce que le minimum d'achat c'était ce prix-là de toute façon. Donc comme vous le voyez, je suis dans une zone, j'ai dit à Vanessa, oh là là, j'ai de confettis. J'ai plein de confettis. Ouais, il me semble qu'Alex, elle n'a pas sorti de vidéo aujourd'hui. Il n'y a que Vanessa. Ah, peut-être qu'elle va montrer son avancée. Hein. Je ne sais pas si c'est au programme. Mais voilà, moi, je vous invite vraiment à venir nous rejoindre. Et puis, allez le signaler à Vanessa ou à Alex. Franchement, c'est top. Alors, il vous faut impérativement vous sortir une nouvelle toile. Hein. Alors, c'est quoi ce symbole? Ce serait un trait. Vous voyez, j'ai des motifs qui sont mordus par celui d'à côté. Donc ça, c'est casse-pied. J'ai dit, quand je vais me retrouver dans des zones en plein milieu dans la faune, ça va être chaud. Ça va être chaud, chaud, chaud. Alors, j'essaye de passer mon fil par-dessous pour l'amener là où j'ai besoin. Je veux que ça soit beau. Voilà, je fais mon maximum pour que l'arrière soit magnifique. Là, je suis dans les marrons. Pourtant, c'est une toile qui a beaucoup de roses, mais là, je suis beaucoup dans les marrons. Je n'ai pas encore sorti un seul rose. Alors, je pense que le premier jour où j'ai travaillé comme ça, sur le dessus avec ma toile, mais qu'est-ce que j'ai eu mal aux doigts? Mais oui, mais les doigts, ils ne sont pas encore faits à travailler comme ça, en fait. Donc, j'ai eu... ouais. Pendant quelques jours, j'ai eu mal ici. Du coup, je pensais aux copines quand elles disaient qu'elles avaient mal aux doigts. Des fois, Catherine aussi, des fois, dit ça, qu'elle a mal au bout des doigts. Je comprends, je comprends. Par contre, Vanessa me dit en travaillant par-dessus, non, elle n'a pas de douleur. Alors, elle est habituée, Vanessa. De toute façon, je l'appelle ma petite fusée maintenant. Elle le sait, c'est ma petite fusée. C'est son surnom, c'est la fusée. Elle m'a changé le... c'est de sa faute, hein. Elle m'a tendu une perche. Elle m'a changé le fond de Messenger et elle m'a mis un truc cosmonaute, là. Et le petit logo qu'on peut envoyer, là, c'est une fusée. Oh, bah, je dis, c'est toi, ça. Ah, elle rigole. Et j'ai avec tous les projets que tu as bientôt à faire et tout. Elle en a déjà parlé sur sa chaîne, c'est pour ça que je me permets d'en parler. j'ai dit, bah, bon courage. Dans ma tête, c'est ce que je me dis, mais je sais qu'elle va y arriver parce que c'est... Et elle ne se met pas de pression. Hein. Ça, c'est cool. Mais moi, c'est un peu dans le tempérament. Moi, j'ai été élevée comme ça. Hein. Donc, je me mets facilement de la pression. Il y a le fait de ce que j'ai traversé aussi, hein, qui fait que je... Voilà. Et puis, ce qui s'est passé dernièrement, que je vous ai déjà rabâché sur la chaîne, j'ai pas envie d'en rabâcher une couche. Donc, voilà, on se met des pressions. Et puis, on perd pied un petit peu. On sait plus trop. Et ça m'a fait du bien parce que j'en ai parlé à un monsieur. Et puis, il m'a dit, ta passion, c'est ta passion. Il n'y a personne qui peut juger quoi que ce soit. Ça te fait du bien. Tu prends, tu fais. Donc, ça m'a fait super plaisir qu'il me parle comme ça. Parce que c'est vrai que mon mari, se confier, c'est pas toujours... parler comme ça, c'est pas toujours son truc. Hein. Mon mari n'est pas très diplomate, d'ailleurs. Une, deux, trois, quatre. Ok. Je préfère vérifier que de faire... des bêtises. Je crois que je vais l'emmener un petit peu en haut pour venir. Est-ce que je suis dans le champ? Oui, c'est bon. J'ai l'impression que je suis en train de travailler sur une vidéo entière là. Où je vais peut-être vous revenir quand j'aurai, j'espère, un peu plus avancé. Mais bon, d'ici demain, il ne faut pas non plus rêver. On a 15 jours hein, pour avancer sa première case. On va parler de cases, hein. C'est tout à fait ça. On va travailler des cases par case. Donc moi, c'est ma case numéro 10. Enfin, pour tout le monde, c'est la case numéro 10, de toute façon.
Mais ça va être trop de voir un petit peu tout ce qui se fait et qui avance quoi et comment. Parce que les nombres qu'on met dans notre tableau sont aléatoires. On les met où on veut. On ne doit pas respecter 1, 2, 3, 4, 5, blablabla, comme ça. Non, non, du tout. Et on met ce qu'on veut. Enfin, il faut qu'on ait 50 cases. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire? J'allais dire quelque chose, mais je ne sais plus. Non, moi j'essaie de les éparpiller un peu partout, mais c'est pas ça que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est au sujet des 50 cases. Oui. Oups. Donc moi j'ai fait en sorte, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fois 5. Voilà. J'ai travaillé comme ça. Donc j'ai d'abord partagé en haut, en 5. Et après, j'ai essayé de partager ici avec cette bande-là en 10. Voilà. Et après, ça a été plus facile. Je sais que Vanessa, elle a rigolé de moi parce que le soir où j'ai commencé à vouloir faire mes cases, je lui ai dit, elle me dit, oh, je suis bien, je suis dans ma chambre, je viens de manger mon petit yaourt et tout. Et puis, j'ai dit, Vanessa, je suis en train de faire mes cases, j'arrive plus à compter, j'arrive plus à me concentrer. Elle était morte de rire. Et puis, j'ai dit, ah, quelle vilaine. Je dis, tu crois qu'elle va venir m'aider, me dire, Isa, je te conseille. Non, non, rien. Et puis, je vois sa vidéo ce matin, je sais pas, elle dit que son premier tableau qu'elle a fait, ça va pas, elle a dû refaire. Je dis, ah bah voilà, vilaine fille. Oh, on aime bien se taquiner, ça fait du bien. Ça fait du bien, du bien, du bien. Là, je vais couper. Alors, Doudou, t'es assis sur mes ciseaux, me semble-t-il. Ah, c'est juste derrière toi, mon chéri. Voilà. Bah ouais, mon petit poussin. Hop. Ah, mon chéri, elle m'a fait des gros câlins. Il dit, aïe, oh, c'est trop chou. C'est trop mignon. C'est la première fois qu'on a un garçon vraiment dans la famille, quoi, je veux dire, hein, à part mon beau-fils. Non, mais je veux dire en enfant. Moi, j'ai eu deux filles. Hein. Voilà, j'ai pas de frères et sœurs. Donc, ça va, Doudou, tout va bien? Bah, écoutez, tout va bien. Vous voyez, je suis de bonne humeur, franchement. Ah là là. Et non, ça, c'est les médicaments à son padré. Voilà, on ne touche pas. Donc, je pense que je vais couper ici la vidéo. Combien de minutes? 27? Ah oui, je vais essayer d'avancer un peu plus. Si c'est pas aujourd'hui que je filme, ça sera demain. Et Doudou, tu fais ta toilette, mais sa maman, elle va retourner au canapé. Et je vais retourner écouter les vidéos des copines. Et en ce moment, je suis à fond. Je fais un petit clin d'œil. Alors, je sais pas si elle a vu que j'avais une chaîne YouTube. Elle s'appelle, alors c'est Christelle qui fait du tricot. C'est quoi sa chaîne? Je retiens pas. La laine et moi, un truc comme ça. Ah, c'est top, j'adore. Je regarde toutes ses vidéos et elle est super agréable. Elle est d'Alsace et j'aime beaucoup ses podcasts. Ça me détend aussi. J'aime regarder aussi tout ce qui est tricot. De toute façon, moi je regarde tout. Tricot, crochet, non, je regarde plus. J'en ai fait tellement. Je regarde tricot, je regarde bah, bien sûr le point de croix, je regarde les miniatures. Bah, chez Catherine, si vous voulez, si vous cherchez une chaîne multivitaminée, on va dire, vous avez tout. Vous avez même des recettes, vous avez la fabrication de deux stylets, vous avez bah, du point de croix, de la préparation de toile, du diamond painting et des petits objets qu'elle fait. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Vous voyez, je fais des bêtises. Ah non, c'est une croix. Maintenant, bah elle n'est pas belle ta croix, Isa. Qu'est-ce que tu as fabriqué? Bon, je suis en train d'enlever mon début en fait. Donc, elle fait de tout, Catherine. Donc, ça, c'est ça qui est bien. D'une copine à une autre, on trouve des choses bien sympas. J'ai trop hâte d'avoir fait mon premier carré parce que travailler comme ça, pour moi, je vous assure, c'est une première. De devoir couper son fil sans le continuer, pour moi, c'est une perte de. C'est du gaspillage. Pour moi, hein. Pour moi, pour moi, pour moi.
Donc, mais bon, c'est pas grave, vu le nombre de fils qu'on a dans nos toiles, voilà, ça devrait le faire. Les amis, je vous dis à tout de suite. Pour moi, ça sera certainement demain, mais pour vous, ça sera tout de suite. Doudou, tu dis à tout de suite aux amis? Non? Mon chacha. Allez, bisous, à tout de suite. Recoucou. Au même moment que je m'enroule, j'ai mon chien qui commence à gratter le canapé, comme d'habitude. La gorge qui s'enroue le matin, comme d'habitude. Tout va bien. Donc, on est le lendemain matin. Hier, j'ai bien bossé. J'ai bien bossé. J'ai alterné entre projet Pointe-Croix, autre projet et détente, visionnage vidéo tranquillou. Pas de télé, rien. Et mon mari, il est rentré au soir parce qu'il était parti dans un zoo au Luxembourg pour déjà avoir une première approche. Lui, c'est son passe-temps, c'est son dada. Comme une de mes filles, ça n'allait pas trop, moi, je préférais être là. Voilà, j'avais envie de me poser, moi, mais ça a été long, long tout seul, comme ça. C'est pas foufou. Donc, j'ai avancé, je vais vous montrer mon avancée. Mon chat a grimpé quelque part, il me semble. Donc voilà. Voilà, donc je vous rappelle, ma zone c'est 30 par 30. Et j'arrête pas de me le dire, Isa, 30 par 30. Mais Isa a toujours envie de butiner ailleurs, c'est dingue. C'est dingue, c'est plus fort que moi, ça c'est les habitudes, hein, malheureusement. Donc j'ai terminé hier, enfin j'ai terminé, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que je travaillais avec la lumière artificielle côté salon. Donc j'étais dans mon canapé comme toujours. Et donc, faire des points avec une lumière, alors que je mette la couleur blanche ou là légèrement jaune orangé, enfin voilà, c'est une lampe où je peux choisir, j'ai une lampe au plafond, hein, où je peux choisir les lumières avec deux intensités différentes, ça changeait rien, ça me. Voilà. Je commençais à plus trop voir ce que je venais travailler. Donc, je trouve que quand même, sur une après-midi et une petite matinée, j'ai quand même bien bossé. Et comme là, je faisais une couleur pâle et je fais le symbole, vous voyez ce symbole-ci en fait? Là, je ne dois pas y aller. Hein. C'est le symbole des carrés avec un cercle évidé blanc à l'intérieur. Donc, le contour rouge et l'intérieur blanc. Et comme j'ai du blanc, du rouge entier, enfin, voilà, au bout d'un moment, j'ai dit stop, tu arrêtes là pour aujourd'hui. Ça ira très bien, tu as bien bossé, tu as bien avancé. J'ai pris beaucoup de plaisir, malgré des points très décalés. Regardez ici, sur le côté, je vois quasiment plus les points d'ici. Je vais vous montrer. Voilà, si je mets ma main. Hop, voilà mon symbole à côté que je dois déchiffrer. Voilà, et les points, ils sont en total décalage. Si je. Voilà, mes points sont. Ils sont déjà, donc j'ai une partie verte qui part à côté. Alors certains points, c'est plus flagrant que d'autres. C'est casse-pied. C'est casse-pied parce que j'ai terminé des points ici. J'arrivais plus à voir ce qu'il y avait. Je sais plus trop. Là, j'ai dit, il faut que tu le fasses tout de suite parce que si tu arrêtes là, demain, tu vas te dire, c'était quoi là? Donc j'ai préféré continuer comme ça. Terminé mes points, j'ai dit tu repiques en bas ton fil, tu mets à quoi correspond ta couleur, et puis voilà, en pose, parquet en bas à gauche, et je savais. J'allais vous dire quelque chose, je pense que je vais devoir me munir d'un mouchoir, j'arrive tout de suite. Ah, ça soulage! Donc, j'ai pensé à une chose hier, avec ce fil, si jamais je le démarrais pas, là, ça fait déjà un petit moment que ça me trotte, pourquoi pas venir ici? Prendre mon fil en question qui n'est pas attaché sur mon point de croix et pourquoi pas venir me l'épingler ici. Et je sais que ça correspond aux deux. Et mon fil qui penche, je le range derrière. Enfin, après, je machine bien mon aiguille pour pas qu'elle dépasse. Ça fait un moment que j'y pense. Je me dis, ça peut être une solution de secours, entre guillemets. Si on n'a pas trop envie de venir la mettre sur son organisateur. Voilà. Deuxième petite chose. J'ai pas encore répondu, mais je l'ai vu ce matin, ce commentaire. J'ai une personne, une Virginie, je pense.
qui m'a demandé comment Isa, est-ce que tu pourrais nous faire une vidéo sur les points confettis? Alors, les points confettis, j'ai envie de te dire, avec, j'allais dire de l'ancienneté, non, c'est pas ça. Avec, bah, quelque part, si, mais pas dit comme ça. Avec l'expérience, avec les semaines, les mois, les années qui passent, j'évolue dans ma manière de travailler. Donc, les confettis, il faut les appréhender comme des points normaux, comme tout autre point. Je m'exprime. De toute façon, il faut les faire, on est d'accord? Il y en a qui aiment bien les faire à la fin, et il y en a qui aiment bien les faire au début. Moi, je suis toujours, toujours, toujours de la team de les faire au plus vite. Maintenant, tout dépend de quelle manière tu travailles sur ta toile. Je m'explique. Là, je travaille dans une zone. Donc, j'ai un chantier libre de partir où je veux sur cette zone de 30 par 30. Donc, moi, ce que j'aime, et c'est ce que je suis en train de faire, je fais, parce que là, vous voyez, hein, je suis dans du confetti total. Je fais du coup les points comme là. Ceux-là, j'en ai pas beaucoup. J'en avais ici, là, 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 et là. Et après, j'en ai deux ici. Donc, je les fais. Voilà, je ne me casse pas la tête. Je viens faire toutes ces petites zones pour qu'à la fin, je puisse travailler sur des zones plus grandes. Donc le bleu, je trouve que j'en ai pas mal, j'en ai bon un petit peu là et là. C'est quelque chose que je vais venir tout doucement vers la fin. J'ai des traits horizontaux, n'importe quoi, des traits obliques rouges, j'en ai des bleus. Ça, c'est des petites, comment dire, parasites, entre guillemets, parce qu'ils ne se voient pas bien. Ils sont pas nombreux, donc pour moi, ça, enfin, c'est des confettis, on est d'accord, ce sont des confettis, j'en ai pas beaucoup par-ci, par-là. Donc ça, c'est des choses qui vont venir. J'ai des croix vertes. Ça, pareil, je vais venir les faire aussi. Voilà, tout simplement, j'appréhende mon travail de cette manière-ci à ce que j'ai après un peu plus de zone. Ici, je vois que j'ai un cercle évidé rouge. Je vais venir le faire. Il est tout seul dans sa zone, dans son carré. Donc, je vais venir le fermer puisque j'ai rien à pouvoir descendre plus bas. Et je vais bien analyser mon travail sur cette zone-là que j'ai à travailler. Et il n'y en a pas d'autres. J'ai des carrés roses. Décidément, j'arrive plus avec les couleurs aujourd'hui. Carré rose, pareil. J'en ai un là. Je regarde si j'en ai un tout près. Dans ce cas-là, je me permets de faire descendre un petit peu mon fil. Mais j'en ai pas, c'est ici. De là à là, il y a quand même un autoroute. Donc, ces deux-là, je vais les faire ensemble. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les rouges, alors les rouges, oui, mais un petit peu plus en quantité, voilà. Mais ça fait quand même partie des confettis. J'ai des V aussi, couleur bleue d'ailleurs. J'en ai que je ne voyais pas bien, je ne sais plus où. Je m'étais dit, il faudra que tu te serves de ton patron, puisque moi, voilà, je vous l'ai dit, hein, j'ai du décalage dans le patron. Voilà, par exemple, celui-ci. J'ai mon V qui est à la moitié, qui démarre à la moitié de mon carré. Celui-ci. Il démarre carrément à moitié. Et sa deuxième patte, elle se termine déjà sur le deuxième, le début, le un quart de mon carré suivant. Celui-là, voilà, c'est ça que je voulais dire. Celui-là, mon V, voilà, on voit juste une patte. Et j'en ai une autre qui est prise en dessous de ma croix ici. Désolée pour les ongles, de ma croix marron. Donc ça, c'est tout, entre guillemets, des petites fioritures que je fais en prime abord pour que j'arrive à bien les voir. Et comme j'ai une toile avec du décalage, et ben tout simplement pour me faciliter la tâche. Alors oui, c'est fatigant, c'est prenant, mais voilà. À savoir que dans le point compté, quand on fait des sacrés projet genre HAED, il y a quand même beaucoup de changements de couleurs, et là c'est oui, on peut appeler ça aussi quand même du confetti. Donc voilà comment moi j'appréhende. Alors faire un tuto, je veux bien, c'est pas le problème, mais je pense que ça s'explique en fait, ça s'explique par des mots, une façon de faire, et c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs avec cette toile-ci. Voilà, tout simplement, je fais du remplissage, comme du coloriage. Je fais les petites zones toutes discrètes
Pour en revenir, par exemple, vous faites un visage, vous allez commencer par des petites zones et après vous allez faire le visage en globalement d'une couleur et d'une seule. Mais vraiment, je parle dans du travail enfantin. Voilà, pas rentrer dans ce que je fais de zone par zone, ombrage, mélange de couleurs, voilà. Tout simplement. Donc voilà, alors je regarde. Vous voyez ici, bon là j'en ai à côté, mais je ne dois pas y aller, je ne peux pas y aller. 30 par 30. C'est terrible hein, de devoir se rappeler ça. Alors petit coucou aussi à Marie, je sais que tu vas regarder la vidéo, tu es venue me demander des nouvelles hier soir. Et voilà, j'étais fatiguée hier soir, pas trop mentalement, je sais pas, un petit coup de mou. Bon, j'étais toute seule de la journée, donc voilà. Toujours inquiète pour ma fille, hein, forcément. Voilà, plein de petites choses après personnelles autour. Enfin, voilà, on a nos petites vies comme tous. Hein. Et donc, j'ai dit à Marie, si tu veux savoir comment s'est passé mon week-end, regarde la vidéo, tu en sauras plus. Donc, je te remercie beaucoup pour ton message. Je reçois beaucoup, beaucoup de messages. Hier, je peux vous dire, hier, avec les filles, enfin, les copines, la famille, surtout ma fille aussi, hein, j'ai passé quasiment ma matinée au téléphone, aussi bien en appel qu'en SMS, qu'en... ah, c'est le chat. Qu'en message Messenger. Donc après, j'ai besoin de repos aussi. J'ai besoin après de me ressourcer. Il y a un moment où j'ai plus envie d'écrire, j'ai envie de me mettre dans ma bulle et être moi seule, mes vidéos, me détendre, me reposer. Voilà, donc tu m'excuseras, j'espère que tu l'as pas mal pris, Marie. J'avais besoin, voilà, j'ai besoin de me recueillir, entre guillemets, oui. Parce que je vous assure que hier, j'ai fait mon repas, j'ai encore parlé après. Ça me fait du bien de discuter, heureusement que les copines sont là, hein. Mais à un moment après, j'ai l'impression de faire que ça et ça me fatigue. Ça me fatigue beaucoup. Hein. Et puis, il y a très longtemps, avec une copine, on s'appelait non-stop. On passait sa vie à s'appeler. Au point qu'à un moment, j'ai eu un... Pareil, mon téléphone, je ne le supportais plus quand je l'entendais sonner. J'ai encore, là, 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 là. J'en pouvais plus. J'ai dû expliquer à mes parents que j'avais besoin de repos. Aïe, 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 Youdou, non, pas les crayons. Prends ça. Mon chéri. Bon, ouais. On adoucit la bête. Donc, je leur disais, tu sais, le téléphone, j'y passe énormément de temps. C'est comme quelqu'un qui travaille avec un téléphone toute la semaine. Une fois arrivé chez eux, ils ont marre du téléphone. Donc, voilà, moi, après, il faut que je... Il faut que je me pose et je reçois beaucoup, beaucoup, même par mail. Je suis contactée par mail, je suis contactée un peu partout et c'est adorable. J'ai les messages en dessous des vidéos. J'ai quand même tout un petit... Je dois répondre aux messages vidéo. En ce moment, je suis encore de retour. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Ah bah alors, cette gorge pleine. Donc hier soir j'ai dit stop, je réponds plus, je me pose, je me calme. Même des fois ma fille, quand je réponds pas, elle dit à son père, maman elle fait quoi? Maman elle est là, pourquoi elle répond pas? Maman se repose en fait. Et des fois je vois pas forcément s'afficher les messages qui s'affichent en notification en haut du téléphone. Je prends une goutte d'eau. Hein. Voilà, j'ai besoin aussi de... Ouh, zen, tranquille. Mon mari, il est allé là hier. Alors, le plan. On va découvrir ensemble, tiens. Ah ouais, ça a l'air grand quand même. Il y a une partie en véhicule. Oh là là, ma voix, c'est horrible. Il y a une partie en véhicule et il y a une partie à pied. Il a bien aimé. Mais c'est écrit, c'est pas écrit en français. Il n'y a rien en français. C'est au Luxembourg. Il avait entendu parler de ce zoo. Bah, je crois que c'est les filles qui lui en ont parlé. Et il voulait à tout prix qu'on y aille. Et finalement, il est allé tout seul. Samedi, il dit, je sais pas si je vais y aller. J'ai essayé de gratter un flunch, mais ça n'a pas marché. J'ai dit, mais toi, tu sors demain.
Je regarde un petit peu son papier, là. Shop. J'ai même pas eu un shop. Rien. Vous vous rendez compte? Et je lui ai fait ses sandwichs et tout. Volière. Ah, ça, c'est en français. Ticket. Cop. Toiletten. Il y a des toilettes. Ah ouais, auto safari, regardez, vous voyez. Ah, il y a aussi le bot safari, le bateau safari. Ça, il l'a fait après à pied, il me l'a dit. Voilà, donc il va certainement vouloir l'année prochaine qu'on y aille en famille. Ils n'avaient pas des jeeps, hein. J'ai pas une jeep, hein. On fait ça bah, apparemment avec nos véhicules personnels. Ben, c'est un peu comme dans le sud, hein, de la France. On a la réserve qui s'appelle la réserve africaine de Sigean. Et on fait on y a un petit parcours en voiture. T'as Madame l'Autruche qui passe devant ta voiture et puis qui fait hop, qui te regarde dans la vitre du véhicule. C'est trop drôle, ça me fait trop rire. Elles me font trop rire les autruches. Mais ça fait peur quand même, c'est grand. Hein. C'est grand une autruche. Avec leur regard là, avec leurs cils bien coiffés, bien maquillés. Non, je trouve ça beau une autruche. Voilà. Donc, logiquement, c'est un peu comme le DP. Des fois, on découvre qu'on a oublié un point. Mais bon, voilà. Donc, mon rose, celui-ci, c'est le numéro 2. Le 2. J'ai fini avec lui. Oh, ça fait déjà 16 minutes. J'ai déjà une vidéo de 30 juste avant. Bah, dis donc, c'est la fête aujourd'hui. Mais il faut que je la publie ce matin. Il ne faut pas que ça dure trop. Il ne faut pas que ça bug. Il ne faut pas qu'on m'appelle entre deux. Parce que si moi, je vais parler entre deux, je fais ma pipelette. Si je parle entre deux, c'est fichu. Ça fait une erreur. Et quand ça me le fait une fois, à tous les coups, c'est plus fort que moi, je veux répondre. Donc, je vais répondre. Et hop, ça se remet en erreur. Et au bout d'un certain nombre de fois, ça fait ce que ça a donné l'autre fois que la vidéo que vous m'avez averti, certaines copines, les filles, hein, mes abonnés. Mais Doudou, qu'est-ce que tu fais? M'ont prévenu. Et effectivement, j'avais plein de messages sous ma vidéo. J'étais en plein Covid, rappelez-vous. Et voilà ce que ça cause comme problème. Voilà, c'est vraiment casse-pied. Et j'avais supprimé ma vidéo, bien sûr. Bah oui, j'avais fait de la place dans mon téléphone. Donc, j'avais supprimé. J'avais plus de traces. J'ai dû la refaire. T'es d'accord, mon chéri? Oui. Il a trouvé un capuchon qu'on met sur le thermomètre oreille. Capuchon d'Élise, parce qu'on a chacun le sien. Voilà, ces organisateurs, c'est mes chouchous, vous le savez. C'est mon dernier lot que j'avais. Tombé très bien pour celui-là. Il faudrait que je songe à reprendre des organisateurs. Parce que ceux-là, ils vont jusqu'à 60. J'ai 40 couleurs, donc je suis tranquillou. Donc, le prochain que je vais faire, certainement du rose. Bon, là, ça aura été un petit peu court pour vous parce qu'on est quand même à presque 18 minutes. J'ai déjà papoté une première partie. Donc, surtout, surtout, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on rit. C'est un super projet. Une façon d'avancer aussi, d'appréhender des grands projets qu'on a peur et qu'on se tâte à commencer. Et puis, ben, n'hésitez pas, faites-le. C'est sûr qu'au plus votre toile sera grande, au plus vos cases seront grandes, puisqu'il nous faut 50. Voilà. Donc, à vous de voir quel projet, voilà. Et on passera de bons moments ensemble. Surtout, n'hésitez pas, mais il le faut de toute façon, contactez ou les deux filles. Je vous mets, bien sûr, hein, comme je l'ai dit, en barre d'infos, le lien des chaînes YouTube des deux copines. Merci encore Alex de m'avoir invité plus d'une fois à rejoindre cette superbe aventure, ce beau projet, votre beau petit bébé. Donc, bah, tu vois, je suis là, j'hésite pas à en parler à mes abonnés, nos abonnés, c'est les abonnés à tout le monde de toute façon, les copines, moi j'aime pas trop les copines. Les copines, les copains, n'hésitez pas, les garçons aussi, hein, si vous aimez faire du point de croix, n'hésitez pas à venir vivre ce petit moment de partage avec nous. Et puis voilà, j'avais pas autre chose à dire. Oui, il faudra songer, j'imagine. Je sais plus si j'ai entendu le dire ou pas. Parce que je pense à ça maintenant, mais je sais plus. J'imagine, c'est pour ça qu'il faut regarder les vidéos des filles. Il faudra donner une photo de votre, logiquement, votre
case terminée. Si elle n'est pas terminée, tant pis, c'est parti de plus belle pour la fois prochaine. Voilà. Donnez une photo de ce que vous avez créé avant, j'imagine quelques jours avant, le tirage de la suivante pour que les fils puissent s'organiser, parce que leur but étant aussi de montrer la progression des abonnés avec leur ce qu'elles font, elles, comme toile. Voilà. J'en dis pas plus. Je sais pas plus. C'est pas mon bébé, mais je participe à chouchouter le bébé. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Gros bisous, Vanessa et Alex. Merci pour cette magnifique idée. N'hésitez pas, les copains, les copines, à venir nous rejoindre. J'insisterai, voilà, parce que ben, c'est génial. On se sent moins seul. On se sent en communauté de partage. Pas de pression. Alors, j'ai une tendance comme ça pour tout, de toute façon. Peu importe, on va pas me changer. Il est trop tard. Mais là, je me mets pas de pression. Je me dis franchement, Isa, sur une après-midi, un petit peu du matin, entre messages et tout ça, j'ai quand même bien avancé. Donc, je suis fière, je suis contente de moi. Soyez fière de vos croix, soyez fière de vos projets, quels qu'ils soient. Et puis, il faut vivre la vie à 100%. Voilà, j'arrête là. Bisous tout le monde. À demain dans une prochaine vidéo. Bye bye. Et on va essayer de faire un petit suivi aussi avec ma chaîne. Blabla point de croix de ce que moi j'ai fait. J'attendrai que la publication logiquement soit mise chez les copines. Ouais, je sais pas encore. Voilà, j'ai pas envie de me pourrir le cerveau. Allez, je vous laisse, parce qu'à chaque fois je dis je vous laisse, mais je suis toujours là en fait. On va faire la vaisselle ensemble, on va faire le ménage. Ça va être comme les Martines. Allez, je vous laisse, j'arrête mes bêtises. Bisous.